C'est à la galerie de l'Ancien Courrier que nous inaugurons ce premier parcours de l'art en compagnie de Claire Bornerand, directrice de galerie et spécialiste de la peinture. À Montpellier, c'est Elisa Cossonnet qui expose ses dernières créations jusqu'au 12 novembre. Un tour d'horizon dans ce vernissage pour vous inciter à découvrir une artiste sensible. Bienvenue dans l'exposition d'Elisa Cossonnet qui s'appelle Naturel, qui est un vrai virage pour Elisa Cossonnet, qu'on a connue avec un personnage très fort, qui a été libéré. Et Elisa nous parle maintenant de son environnement, de la nature et comment on peut être inspiré par elle. Je vous laisse juger. On retrouve les éléments minéraux, on retrouve le végétal beaucoup. Les formes, les lignes qui peuvent inspirer Elisa sont dans la nature désormais. Donc en fait, le travail, là, c'est un travail qui part de... En fait, de l'intérieur, je vis dans un environnement, je suis complètement dans la garrigue et je pars avec une tâche et puis petit à petit ça monte. Et en fait, tout le travail, c'était d'essayer d'exprimer par la peinture en fait ce qui se passe à l'intérieur et non pas nommer les choses ou essayer de représenter la nature, mais c'est l'essence des choses. On a piqué là et c'est en ça que je trouve que tu as été très universelle, Elisa. Ton œuvre, elle s'ouvre vers des notions qu'on partage tous et ce chiffre pi avec aussi le rythme coloré de tes petites langues, c'est magnifique. Oui, il y a vraiment une profondeur dans ce tableau qui est superbe, avec une base en plus qui rappelle des matières organiques. On est sur la terre, sur le marron, la pachamama. Ouais, c'est ça, Et puis l'aspect un peu chamanique qui a au départ un peu envahi ton changement. Mais ça, c'est un peu mes racines, c'est mon histoire, puisque j'ai ce lien avec le Canada et donc avec aussi les Amérindiens. Et je pense que j'avais besoin de sortir quelque chose, mais c'est vrai que ça passe par les bouts de bois qui m'entourent, les arbres, et puis ça se monte et on s'aperçoit qu'en fait, il y a carrément un être là qui apparaît. Donc comment transcender la nature, en fait.